Et on a toujours mis de la musique. Oh, ça permet d'être partagé et de vivre aussi le moment avant, quoi. Allez, bon match, bonne soirée les gars. Nuit du destin pour les Lillois, pour les Marseillais. Nuit du destin européen, la Champions League se joue peut-être ce soir pour les Lillois. Jouez, jouez. La remise de Kabel avec Jonathan David à l'entrée de cette surface de réparation. Le ballon placé pour un sur son pied gauche. C'est ouvert l'arrêt sur le côté droit de Paul Lopez. Le ballon, Amin Harit à Aubameyang, la vitesse de Pierre-Emerick Aubameyang, la faute, oui. Non, mais c'est une claire occasion prometteuse. C'est le duel. Et je suis d'accord. Je peux vous parler ou pas? Le duel, il est pas méchant, ça, je suis complètement d'accord avec vous, il n'y a pas de souci. Par contre, regardez derrière. C'est pas une occasion nette, mais par contre, il y a une vraie occasion de but derrière. Non. Allez, c'est bon. Ouais, peut-être. Mais ça, c'est pas des grosses fautes, ça. Je sais qu'il faut pas les répéter, mais c'est pas des grosses. Accordez-moi le doute sur ça. Pas de bloc. Un bras levé pour Rémi Cabella. Au point de pénalty, la tête d'Alexandre cette fois. Yo, allez. Hey, je peux parler ou pas? Parler français, pas de problème? Un petit peu. Par contre, une fois que le ballon est en jeu, si c'est beaucoup, je suis obligé de siffler. Non, c'est pour ça. Je vous préviens juste, faites attention, ok? Ça marche. C'est bon. Avec Zegrova, trajectoire entrante, la sortie de Paul Lopez, des deux points. Ounaï dépossédé du ballon et faute. C'est bien, c'est propre dans les interventions. C'est bien, c'est propre les interventions, l'intensité, c'est parfait. Ce qu'avait là. Sur les duels comme là-bas, faut être un peu plus costaud quand même, vous tombez facilement. Retourner la tête pour relancer le ballon. Haraldsson. Il a glissé, Haraldsson. Hé hey, oh, oh, je sais. Oh, oh. Il glisse. Venez voir. Je sais. Venez voir. Non, moi j'ai touché là-bas. Je passe le message pour votre équipe. Ouais. Je suis d'accord avec vous qu'il glisse. Ça, il n'y a pas de souci. C'est pas lui qui le fait tomber. Par contre, derrière, il lui met le coup. C'est pour ça que je siffle. OK? Monsieur Gay, on sera pas d'accord toute la soirée, mais me parlez pas en me courant dessus. OK? Non, mais je vous le dis. Me parlez pas comme ça. Deuxième ballon surtout récupéré par Hasdi Ounaï qui a levé la tête, le crochet d'Ounaï. C'est une passe décisive vers une frappe pas du tout appuyée de la part de Luis Enrique. On est resté au sol à hauteur du rond central au milieu de terrain. Non, il a glissé. Pourquoi non? Il a glissé. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de contact. J'ai dit qu'il y avait faute. Je laisse l'avantage. Vous voyez comme moi. Vous pouvez ne pas être d'accord. On perd un attaquant quand même. Derrière, il y a une vraie occasion, je laisse l'avantage. On peut ne pas être d'accord, mais comprenez mon explication en pas vouloir mettre des cartons à tort et à travers. Merci. 0-0 entre Lille et l'Olympique de Marseille. Ouais, non, laquelle? Rien du tout avec Cabella. Ok, j'entends. Non, je l'ai entendu, je l'ai dit à mes collègues, je l'ai dit. C'est parce qu'il ferait un ballon dans son camp, du coup il tombe. Peut-être. Accordez-la moi, je... Prends-le en ballon. I don't hear you. Très bien. Ouais, toi, très merci. Bien. Merci. Putain! Attention, il a glissé. Gigo, la passe n'était pas appuyée. Jonathan David, est-ce qu'il a fusé? Croix, Jonathan David tout seul. La frappe du pied gauche, le retour de Samuel Gigo, la faute! Le Canadien obtient un pénalty. Oh! Carton! Hé! Hey. Là! C'est pas carton rouge? Non. Il arrête le but! Oui, peut-être. En taclant. Depuis 2016. Depuis 2016, c'est comme ça. Ouais. Non, mais là. Il s'en loin, il confirme. Ouais, c'est bon, dit. Ouais. C'est bien, dit, ouais. Ouais, c'est vrai, vous le reconnaissez. C'est bien. Le contre-pied parfait, 1-0 pour le LOSC. À droite vers Thiago Santos. Zegrova à l'intérieur, là, frappe de Zegrova. Il est capable d'envelopper, il est capable de frapper fort, il est capable de tout.
Guys, hey! Doucement, hein. Vous êtes très en retard. Non, non, non. Ouais. Non, vous êtes très en retard. Ça, ça se gère. Ça va? En tout cas, moi, je pense que ça se gère. Oh non, dites pas ça! Vous pouvez pas me dire ça! Ça va? Ah, mais c'est moi qui arbitre ce soir! Se joue rapidement, sans contrôle, vers Cabella! Rémi Cabella, l'ancien Marseillais, titularisé par Paolo Fonseca! Cet entraîneur voit tout, sait tout, choisit tout bien! Et fait si bien jouer son équipe. La transition lilloise, le break est fait. Lille 2, Marseille 0. Ok, faute de David, avantage. 2 contre 2 à jeu, 3 contre 2. Pierre-Emerick Aubameyang, de Lucas Chevalier, quel arrêt du gardien. Attention le tac pour Balerdi. Quel carton pour Balerdi. Je vais attendre. Attendez. Je sais, il va prendre. Il va prendre. Je m'occupe du blessé, je vois la nature. Ok, je vais mettre carton jaune. Hey, je gère. Il va prendre carton jaune, ma priorité c'était le blessé. Monsieur André, le jaune il est clair. Je prenais le temps parce que j'hésitais entre jaune et rouge, voir s'il y avait une trace ou pas. C'est pour ça que je prends le temps. Ok. Lenny Yoro ralentit, mais ça arrive quand même sur Aubameyang. La sortie, le Bugag qui permet cette fois à l'OM de revenir dans la partie. Dans tous les cas, c'est frappé, refrappé, on verra bien. Mais... prenez votre temps, Dom. C'est très important. Il vérifie un potentiel hors-jeu. Dominique, ok. Il n'y a ni main ni hors-jeu. Ok pour but. But accordé, c'est bon. David Bentaleb, fort vers Jégrova. L'appel de Thiago Santos, il est servi, le Portugais le centre en retrait. La reprise du Pérou de Goodmundson. Les choix encore de Paolo Fonseca. Lille reprend le large. Lille reprend l'avance. Lille mène 3. Allez, ouais, non mais je sais, mais vous allez m'arnaquer là. Comment ça? Vous allez m'arnaquer, vous marchez pour qu'il attende qu'il aille en défense centrale. C'est exactement ça. Ouais, mais vous m'arnaquez, allez en place. Allez, allez vous placer. Oh c'est bon, le chrono il est là. Chrono il est là. Là-bas, 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 c'est moi, là-bas. Par contre, vous trottinez. Please, run, run slowly. Come on, come on, run. Moi, je gère. Par contre, c'est quoi ça? C'est pas possible. J'ai haussé le ton ou pas avec vous? C'est moi qui gère. J'ai haussé le ton ou pas avec vous? Je parle à monsieur Aubameyang, donc j'ai pas haussé le ton avec vous. Vous avez quelque chose à me dire? Ne venez pas les branler. Le chrono, il est toujours là. On est 6 et on sera très précis. Ok ? Merci. Il va y avoir 8 minutes de temps additionnel, donc on est un petit peu sous, sous la surprise. Je ne vous ai pas menti. On est précis. On fait notre travail avec précision. C'est bon. J'avais peur que ça soit... Ouais, non, vous inquiétez pas, on est 6, on fait le travail, on connaît les enjeux, vous inquiétez pas. Et fin du match. Lille est trop fort en ce moment. Lille était trop fort pour l'Olympique de Marseille. Bravo Dom, bravo Abdel. Bonne chance pour jeudi, on est derrière vous. Congratulations, great job. Merci, great job. Merci beaucoup. Bonne chance pour jeudi, les gars. Ah, merci. Je pense qu'on va souffrir beaucoup, à mon avis, oui, on va beaucoup en souffrir. En tout cas, on sera derrière vous. Eh bien, c'est gentil. Bonne chance pour jeudi. Merci. Merci. Merci.